Bienvenue, on va faire un peu de R6 extraction. On va faire du dos au mur dans la zone d'Alaska. Il reste plus que 2 jours. J'ai déjà fait une fois, mais je ne l'ai pas prise en vidéo. C'était avec des randoms. Ça s'est super bien passé, donc j'avais envie de retenter l'expérience. Je vais être honnête, je suis sûr que ça va pas aussi bien se passer cette fois-ci parce que je suis en train d'enregistrer, évidemment. Donc on va lancer ça. Même j'ai envie de dire que nous, on va partir sur Lyon. Ouais, nous, on va partir sur Lyon. Alors, comment ça se passe ce mode de jeu? Vous devez faire, il y a, c'est une zone avec trois, c'est trois zones qui s'enchaînent où vous devez faire des missions évidemment. Mais en plus, vous avez le sas en fait qui est bloqué. Et pour débloquer le sas, il faut faire une mission supplémentaire. Donc, dans les deux premières zones, il y a deux objectifs à faire, à remplir. Et en par-dessus tout, vous avez, voilà, vous voyez que là, vous avez blocage de jeunes et sauvetage. On va désactiver le son des alliés. Et par-dessus tout, vous avez aussi des vagues constantes en fait de monstres qui arrivent sur vous. Donc ouais, le fun, le fun. Personnellement, je pense que il y a des agents en fait qui commencent à briller, Je suis en paix avec moi-même. qui commencent à briller et d'autres non. Je pense que Lyon est un des agents qui brille pour ce genre de mission, parce que bon, son radar en fait revient très vite une fois au niveau 10, et il a un très très bon kit en fait d'équipement. Il fait très mal, il a des très bonnes armes et tout, donc je pense que il est vraiment bon pour ça. Il aide beaucoup l'équipe, facilement. Il n'a pas besoin d'être d'une situation précise en fait. Donc ça c'est sympa. On va voir, les autres sont 6 et 5 je crois, c'est ça? On va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. Je vais peut-être parler un peu moins parce que je vais un peu me concentrer, mais. Vous allez voir le bordel que c'est. Donc on doit faire quoi, nous? Sauvetage. Le sauvetage. C'est une mission de sauvetage. L'agent React a rencontré des complications au labo et a pas pu évacuer. J'ai zéro truc d'infiltration. Effectivement, toute la zone est verrouillée. Ah, il y a un des mecs qui est même pas full HP, quoi. Réactiver les sas manuellement. Voilà le colis. Mal colis. Ok, ça marche. Ah, ça va, y a pas de monstre en fait autour de lui. Emmenez l'entité aux questions d'extraction. Très bien. Chasse vue. On va mettre le laser aussi. Très bien. Placez l'élément dans le caisson d'extraction. On est bon? Donc l'autre, il a pris un personnage qui est pas plein de vie, quoi. C'est vraiment débile, quoi. C'est bon? On peut y aller? Par contre, oh putain, c'est à l'extérieur, fait chier. c'est aptitude, moi je m'en fous. Okay, c'est bon, on y va. Ça c'est pour moi. Ah, on a une vague qui arrive. Bon, on peut y aller les mecs. On bouge. Ok, c'est parti, qu'est-ce qu'il fait? Il me tire dessus? Non, il tire sur elle. Le sas il est bloqué. Faut trouver la prochaine zone. Le truc à protéger en fait. Ok, c'est parfait, c'est là. Attention, quand vous allez lancer le déverrouillage, les archéens ne vont pas apprécier. On va bloquer un peu les endroits. On peut tuer. Ah ok, les mecs ils veulent pas rester à la zone en fait. D'accord.
Elle passe. Oh, très bien. J'aime bien le fait qu'il puisse passer sans... Même en ayant le bras levé, pardon. C'est ça que je veux dire. Très bien. Boum. Donc les mecs, ils voulaient se protéger ici, quoi, du coup. D'accord. Bien. Faudrait peut-être prendre les mules, les mecs. Moi, la première fois que j'avais fait ça, j'avais donc résisté en fait dans la zone du de l'ordinateur là. Alors je pensais qu'il fallait rester en fait dans la zone, il y a ça aussi. Mais en fait tout le monde est resté et on avait consolidé la zone et c'était, on va dire, peut-être plus simple. Du coup... on a plus de... On a plus rien. On est bon. Non, je vais prendre ça. C'est pour moi, merci. Aptitude, j'en ai pas besoin. Munitions, on est bon. Je veux bien de la tech. J'ai balancé mes grenades peut-être un peu pour rien. Oh mon dieu, le bordel, quoi. Donc ça, ça se passe très bien, en fait. Mais vous voyez, c'est vraiment combat-combat, hein, je trouve. Donc là, c'est du sabotage. On va devoir défendre. Faire la zone en même temps. Ouais, le sabotage devrait bien se passer. Et les mecs, vous voulez appuyer Ah, l'autre, il avait appuyé pour sortir, en fait. Ah, du coup, on est obligé d'attendre. On peut le voir en bas à gauche avec les petits symboles. On a deux sas et une extraction hélicoptère. Ah bah tiens, moi j'avais mis le gilet pare-balles. Ah oui, oui, j'avais mis le gilet pare-balles. Ouais, les autres aussi, tout le monde a mis le gilet pare-balles. Ok, donc là, sabotage, on va devoir défendre. On mettra des protections et tout ça un peu. Est-ce que c'est parti? Ok, c'est juste là. Placez les charges et protégez le site jusqu'à mise à feu. On va placer le truc. Très bien. J'étais peut-être un peu... J'aurais peut-être pas dû l'activer directement, mais ça va. Moi, je vais rester à l'extérieur, vu que... J'ai une bonne grosse arme. Vous êtes deux les mecs sur l'autre. Moi je suis seul. J'ai un truc à ma droite. Très bien. L'ennemi essaie d'atteindre les charges. Allez, vous devez les en empêcher. Encore 17 secondes, 16 secondes pour moi. Secondes. Ça fait mal, moi, HK, j'adore. Ok, on a le drone. J'aime bien que tout a un son. Genre, on entend le bourdonnement, ça c'est mon habilité. Quand elle revient, ça fait bip. Vraiment cool. Tout est bien. On n'a pas besoin de vraiment de faire attention à l'écran. On a juste à écouter. Ok, très bien. Ça c'est quoi? Ça c'est aptitude. Je dois avouer que je ne supporte pas ces trucs-là. Merci de les avoir éliminés. Très bien joué. Je déploie l'appât. J'ai le plein de munitions. Ok, bien. Oui,
Allez, je vais prendre. C'est vrai que j'en ai balancé au moins une 200, je crois. Allez, on y va. Ah, c'est là. Ok, vous avez trouvé un poste de sécurité. Ok, très bien. Activez la séquence de déverrouillage, mais attention, les archéens vont s'en rendre compte. C'est pas si mal là. Tant que les mecs. Oh, on a un. What? Okay, très bien. Boum. Voilà, bien. On est pas mal là, en couloir c'est pas mal. On a une bonne puissance de feu. Moi je vois, je détecte tout. Okay, bien, bien joué, ça c'est bien joué. C'est pas cool, j'ai pas de... Ouais, ça va, là, une percussion. Très très bien. Elle est bonne. J'ai pas... Pour incapacité, j'ai pas. À l'intérieur, vite. Allez, go. Pour incapacité, j'ai pas, par contre. Donc moi, c'est plutôt destruction dégâts, en fait. C'est pure destruction dégâts, surtout. Ah merde, il voulait me tirer dessus ou pas? Je sens mieux. Ouais, ok. Des munitions ici. Munitions. Non? Enfin, je vais peut-être en prendre une. Juste pour être sûr. Certain, j'ai 600 balles, ça va. Mais c'est juste pour être sûr. Ok, on est très bien. Notre, ils ont pris le soin, ça va. Ok. Maintenant, on doit scan séquentiel. Scan séquentiel, ça peut être chaud. Ça peut être très très chaud. J'espère que l'autre, elle a encore des leurres. J'espère vraiment qu'elle aura des leurres. On est à fond dans la vie. C'est vrai que le doc peut être vachement intéressant. Après, on a trouvé de la vie assez souvent. Donc ça devrait aller. Mais c'est vrai qu'on a tous de la vie bleue, c'est cool. Parti. Trouver un émetteur de catalyseur. D'étranges artefacts se manifestent dans certains endroits et ils réagissent à nos émetteurs. C'est ouf. Non, c'est pas là. J'ai merdé. J'ai complètement merdé. J'ai complètement enlevé ma vie en plus, c'est bien. C'est d'où on vient, non? Ouais, c'est d'où. Ah, ok, c'est là. Ça marche. Mission. Ça a commencé. Dirigez-vous vers la première zone. Oh, on a un tourmenteur. Voilà,
très bien. On va faire ça. Essayer de gagner du temps parce qu'il y avait. Il y a des explosifs donc c'est un peu relou. Ça va, je fais très mal sur les. Ceux qui sont blindés là. Enfin, c'est des piégeurs, je crois, c'est ceux qui mettent les mines. Mais je fais très très mal, même sur le corps sans toucher les points faibles. Ou alors même les tourmenteurs. Donc ça va, c'est cool. Explosif ça. Ok, très bien. Yeah, on est bingo. On va pouvoir comprendre les mystères derrière. Let's go. Ah, j'aurais pu ne avoir genre 100% de vie quoi. Quel con. C'est juste parce que j'ai merdé à tirer. Sur j'ai merdé à tirer sur l'explosif devant ma gueule, quoi. Bah voilà. Voilà, j'ai une belle vidéo de du Doado. Avec mon perso préféré. Mon perso no brain, où je tire sans cesse. On a fait du bon, quoi. 130 de dégâts, machin. Enfin, 130 kills, pardon. Enfin, voilà, quoi. On est le tueur de l'équipe, j'ai envie de dire. Et ouais, après, il y a ça. Hein, le E1D, c'est vraiment cool. Ça donne pas mal de points en plus. Je vais être le premier. Ouais. 49 000 points. J'arrive pas à faire 50 000, hein, vraiment. Mais ouais. Ah, du coup, les mecs, ils prennent pas mal de points. Moi, c'est pas grave, je m'en fous. C'est juste pour le kiff de vouloir le faire avec en vidéo, en fait. Donc ouais, ça, c'est le protocole. C'est le dos à dos. C'est fun. C'est fun. C'est pas trop compliqué. L'affectation, pardon. C'est pas trop compliqué, mais ça change du gameplay, parce que là, il n'y a pas d'infiltration. Vous avez vu, même le VIP, ce qui est marrant, ce qui est bien aussi, petit point positif encore pour le jeu, le VIP, il n'est pas entouré de monstres, parce qu'en fait, vous faites attaquer constamment, en gros, tout le temps, tout le monde est en alerte, en fait, tout le temps, dans ce mode de jeu. Donc du coup, le VIP, normalement, il se fait défoncer la gueule si l'alerte est sonnée avec les créatures autour de lui. Mais là, il n'en a pas, donc en gros, vous foncez vers le VIP, et après, vous le protégez. Donc même ça, ça a été bien dosé. Donc ouais, voilà, je voulais juste montrer du dos au mur, ça n'a rien à voir, c'est pas dos à dos, c'est dos au mur. Et ouais, c'est cool. C'est bien pour monter de niveau. Si vous avez une équipe qui est solide, vraiment cool pour monter de niveau. 50 000 points d'expérience, c'est du critique, ouais, c'est du bon critique ça. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, ciao ciao.